Salut tout le monde, c'est Taizo, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Call of Duty 2. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve pour une nouvelle playlist sur le jeu. Donc on va, comme je l'avais dit, dans les anciennes playlists, comme sur Splinter Cell, si je me trompe pas, je vous avais dit qu'on allait faire toute la franchise des Call of Duty. Donc là, nous y voici. Donc j'ai pas pu filmer les tout premiers Call of Duty qui sont sortis en 2003, etc. pour des problèmes d'affichage. C'était des jeux qui étaient réservés à des écrans de 800x400. Donc on n'était pas du tout sur de la 1080p, etc. Et je pouvais pas tout simplement filmer, il y avait un écran tout noir. Donc voilà, du coup on se retrouve pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que le jeu aussi va vous plaire et que tous les jeux vont vous plaire aussi dans les campagnes. Enfin uniquement la campagne. Voilà, vous aurez comme d'habitude en fin de toutes les missions. Donc là il y en a 27, il y a 27 missions, c'est très long. Donc chez les Britanniques, chez les Américains et chez les Russes, ça va être très très long. Et pour le dernier épisode, vous aurez une vidéo récap des meilleurs moments, etc. Comme je le fais sur les anciens jeux que vous avez pu voir, hein, les let's play. Donc là on est sur un let's play de Call of Duty 2. C'est vrai que j'aurais bien voulu faire les premiers avec vous, c'était très très long et un peu pas répétitif, mais c'est vrai que pour un premier Call of Duty à l'époque c'était vraiment vraiment pas mal. Et les tactiques de gameplay sont plutôt pas mal. Par exemple sur la touche A et E, sur le tout premier Call of Duty, on pouvait se pencher à droite et à gauche. Donc déjà, si ça existait en 2003, c'est que ils y avaient pensé. En termes d'options, en termes de qualité, on sera au maximum. Ça je peux vous le dire. Pour ça, il n'y a pas de souci. J'ai essayé d'augmenter le son du jeu par rapport à ma voix. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça. J'ai remarqué que dans mes anciennes vidéos, on entendait plus ma voix que le jeu. Normalement, quand je parle, ma voix superpose le son du jeu. Donc voilà, là c'est un test, je vais voir en rush, hein, en off, pendant le montage. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et let's go, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne, merci à vous. Et c'est parti. Allez, on va faire choix de la mission, donc là j'ai pu tester. Choix de la mission, alors déjà, guerre hivernale. On est avec Vassili Ivanovitch Koslov. Alors je sais pas si on dit Koslov ou Koslov. Près de Moscou. URSS 1941, guerre hivernale, entraînement de l'armée rouge, apprenez à vous battre pour l'armée, pour la mère patrie. Et en bleu, voilà, parce que nous on va être tranquille. Let's go! C'est parti. 1939, l'armée allemande se lance à la conquête de l'Europe. La première à tomber est la Pologne, puis le Danemark, la Norvège, la Belgique, le Luxembourg, la Hollande et la France. 1941. Avec une armée de plus de 7 millions de soldats, l'Allemagne se tourne vers l'Est et entreprend l'invasion de l'Union soviétique. Utilisant la tactique du Blitzkrieg, la progression allemande est rapide et irrésistible à travers les défenses soviétiques, et les troupes atteignent Moscou en 4 mois. Quand même. Du fait du manque de renfort, la défense soviétique à Moscou repose sur des milliers de recrues inexpérimentées qui doivent résister aux Allemands bien entraînés dans le froid implacable de l'hiver russe. 16 décembre 1941, 22h, Moscou, neige, moins 15 degrés. Déjà ça annonce les couleurs, la température plutôt. Dans quelques heures, je rejoindrai mes camarades pour la défense de Moscou. Les Allemands ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Et de nombreux civils, y compris la plupart des membres de ma famille, ont été tués par leur artillerie. Même si je n'ai jamais tenu un fusil, je suis prêt à apprendre et à faire mon devoir pour protéger notre patrie contre les fascistes. Soldat Vassili I. Koslov, 13e division de fusiliers. Avec tous les petits biens à côté. C'est parti. Let's go. Bienvenue à l'instruction de base, camarade. Si vous voulez survivre, vous ferez exactement ce que je vous dis. Bon, avancez jusqu'à cette table et prenez ses armes. Ok, là, donc là on est en pleine initiation, donc table pour voir nos objectifs de mission. Waouh, c'est vrai que ça a beaucoup changé avec le tout premier Call of Duty que j'avais joué. Les animations, tout change, franchement c'est hyper bien fait. Pour tourner autour de soi, tu ouais. Tu vas devoir faire plus vite que ça, camarade. Il va te falloir une arme, et une vraie si tu veux tuer les fascistes. Regarde ta boussole. L'étoile t'indique l'emplacement de ton objectif. Et il tremble normalement. Ouais, c'est maintenant, vraiment ça. Et prends un fusil et un pistolet. Allez. Ça change tellement du premier. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit, on peut pas courir, malheureusement. Dans le premier, on pouvait courir. Dans le DLC du premier, on pouvait. Non, dans le premier Call of Duty, on pouvait pas courir. Dans le premier
Call of Duty du DLC. On pouvait courir, alors on peut pas courir, je comprends pas pourquoi. Ok. Les armes sont sur la table, camarade. Bien. Maintenant, on va voir le commissaire Letlev. Allez. Ok. C'est vrai que j'aurais préféré les vidéos, les voix en original, Vostefer, quoi. Très bien, camarade. Pense toujours à regarder l'étoile sur ta boussole pour connaître l'emplacement de ton objectif. Pas de soucis. Bon, Vassili, montre-nous si tu tires bien. Comme vous avez pu le constater, on est en 165 FPS. Ça, c'est très cool. Parfait, maintenant sur l'autre. Non, alors ça, je sais pas comment les gens ils font pour inverser ça. On va recharger. Les pistolets mitrailleurs sont efficaces à courte portée, camarade. Mais pour les cibles éloignées, le fusil est bien plus adapté. Avancez. Les phrases comme ça, c'était toujours important dans les Call of Duty. J'écoutais jamais, moi, ça. Tirez sur ces bouteilles et ces assiettes. Imaginez que c'est l'ennemi. Ok. Parti. Regarde dans ton viseur, Vassili. Tu gagneras en précision. C'est ce que je fais. Pas mal, pas mal. Très bien, camarade. Ça suffit, Vassili. Bon, voyons un peu comment tu te comportes sous la pression. Vas-y. Tu as 15 secondes pour toucher les casques. Prêt. Ok. Feu. Déjà, j'ai raté le premier. Perdu une balle pour un but. Là, je pourrais pas changer avec mon pistolet parce que c'est trop loin les cibles. J'avais testé en plus ça. Très bien, je pourrais rien faire. Viens par ici et frappe ce mannequin avec ton fusil. Ok. Ça suffit, camarade. Venez par ici et prenez une grenade. Ok. Ce sont des patates, camarade commissaire. Pourquoi on se sert de patates au lieu de vraies grenades? Parce que les vraies sont précieuses, bien plus précieuses que la plupart d'entre vous. Oui, camarade commissaire. Excusez-moi. Maintenant, lancez une patate dans chacune des zones cibles. Ok, c'est avec G. Ok, bien, quand on appuie camarade sur la touche, parfait. Ça lance directement. C'est pas on pas sélectionne mal, la grenade. Camarade commissaire, camarade commissaire. Oula. Ah, cette arme-là, la PPH, c'est incroyable. Si on peut la choper, vous allez voir. Elle fait des dégâts de fou. Cette arme aussi que je tiens aussi dans les mains, c'est une dinguerie. Le pistolet aussi, bien sûr. Oh. Oula. Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umzingeln die Position schon. Ich dis que l'ennemi avance derrière nos lignes. Und jetzt. Ils ont des Half-Tracks et de l'artillerie mobile en soutien. Un assaut allemand se profile au sud-est, camarade. Ça a l'air sérieux. Écoutez-moi, il y a une armurerie à l'est dans la cave d'une maison. Allez-y et faites-le plein de munitions et d'équipements. Je reste ici pour m'occuper de notre invité. N'oubliez pas ce que vous avez appris. Bonne chance. Let's go. Oula, on les voit déjà. On va grimper les mecs, grimper les mecs. Ok, Vassili en premier. C'est moi, Vassili. Hop, on va s'allonger. Hop, on se prend. Bon. Ok. Ok, ça marche. Merci, frérot. Montez à l'échelle. Vassili, attends, pas d'imprudence. Lance une grenade fumigène pour nous dissimuler. Ok, ça marche. B. Moi j'ai mis B. Hein. Attendez, laissez la fumée se déployer. On va voir si une seule fumigène ça suffit. Parce que moi j'en avais lancé trois, moi, plusieurs. Ne bougez pas, camarade. Encore un instant. Ok, ok, ça marche, pas de soucis. Mais là, il nous voit clairement. Ouais, j'aurais dû lancer une deuxième. Le mec là. Oh, il l'a eu. Oh, je l'ai déjà vu. Oula. Oula. Elle va lancer la grenade. Wow. Oh, oh, ah ouais. Oh,
oh, oh, oh. Ah, elle m'a fait hyper peur. C'est quoi ce truc? Wow. Voilà le Panzerwerfer. Il faut qu'on trouve un moyen de passer ce portail. Ok, ah, il m'a défoncé l'autre, j'ai même pas vu. Tu vas. Mettez-vous pas devant moi, vous aussi. Ah, je l'ai même pas eu là, vous êtes sérieux là. C'est un mec là. La kiffe cette arme, c'est fou. Une sulfateuse le truc. Un mec au dessus, non? Ah, des barils, yes. Allez, toi, je t'ai eu, toi. Oh, là, c'est une grenade, quand même. Ta gueule. Hop là, le petit explosif posé. Allez, explose. À 60, il va exploser. Boum. Yes. Il n'y a pas de meilleur entraînement, camarade, que de devoir se battre pour survivre. C'est plutôt bien fait, hein. Victoire. Allez, première mission terminée. Rien que dans la vie, rien dans la vie n'est plus réjouissant que de se faire tirer dessus sans résultat. Winston Churchill. Menu principal, on va revenir au début. Ben voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai kiffé. Bon, après, ça fait. Voilà, quoi. C'est le premier épisode. Je l'ai fait plusieurs fois. Enfin, la seule d'être la deuxième fois. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça a beaucoup changé du premier Call of Duty que j'ai pu jouer. De très bonnes, il commence à développer en termes de tactique de gameplay et de combat, les armes aussi, les animations, vraiment tout, hein, de tout, hein, c'est vraiment stylé. Je commence à kiffer. Il y a un peu d'humour aussi, il y a une touche d'humour aussi, comme vous avez pu le constater. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne. Et du coup, nous, on se dit à la prochaine pour la vidéo qui arrivera normalement, la suite qui arrive demain. Non, si je me trompe pas. Et voilà, merci. Salut.